01 Business Forum, l'Hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Voilà, on se retrouve notre débat sur la blockchain, non pas un énième débat. Voilà, on va essayer de faire comprendre un peu, rentrer un peu plus dans les coulisses de la blockchain avec nos invités. Tout ça est venu, tiens, d'un livre que je vous recommande. Il s'appelle Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur. Il a été édité, enfin, notamment fait par des consultants de la société de conseillers en finance Accuracy. Donc, Clément Tecky, qui est avec nous, est un représentant et l'un des auteurs de ce livre. Et justement, à partir de là, il y a pas mal de choses qui sont assez bien expliquées dans cet ouvrage et on va en reparler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Gonzague Granval, cofondateur de Pixio. Bonjour. Bonsoir. Gonzague, merci d'être avec nous. À vos côtés, Arnaud Dartois, cofondateur et directeur général de Napoléon X. Bonjour. Bonsoir. Donc, Napoléon X, gestionnaire d'actifs crypto et vous êtes... En attente de régulation. Auprès de l'AMF. Auprès de l'AMF, exactement. Voilà, et donc des spécialistes de blockchain. Et donc, Clément Tecky, consultant, je dis bien ça, un Tecky. C'est ça. C'est le bon nom. Enfin, c'est bon la nom. Bonne prononciation. Tecky, consultant c'est bien ça. Au cabinet Accuracy. Alors, Clément, il y a un des chapitres là, qui s'appelle La ruée vers l'or digital. Alors, je vais citer hein, blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur. Je reprends le livre. Autour de la blockchain, ses promesses, ses clivages, ses limites s'organisent une véritable course à la valeur autour d'un jeu stratégique d'acteurs et donc pas toujours facile à suivre. Alors justement, quelles sont les forces en présence aujourd'hui autour des acteurs de la blockchain ? Donc exactement, donc, l'idée de ce chapitre, c'était vraiment de décrire un petit peu l'écosystème blockchain et vous montrer au sein de cet écosystème que c'est quelque chose de vivant avec des parties qui évoluent, etc. Donc l'idée qu'on a, le parti pris qu'on a fait, c'est de décomposer la chaîne de valeur économique de la blockchain en la décomposant entre le registre distribué, le protocole de transaction, les smart contracts, avec Internet d'un côté et les dApps de l'autre, ouais. Exactement, et montrer qu'en fait que le long de cette chaîne de valeur, des acteurs apparaissent et concentrent plus ou moins de valeur. Donc en amont de la chaîne de valeur, se concentrent notamment ce qu'on appelle les plateformes d'échange, donc qui permettent vraiment donc d'acheter, de vendre du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, de les trader, etc. Donc là, donc c'est ce qui permet, c'est un petit peu la porte d'entrée d'une certaine manière vers l'univers des crypto-monnaies et qui permet de faire le lien avec le monde réel. Donc eux accaparent une grande partie de la valeur parce qu'en fait, la blockchain, c'est quelque chose qui a promis la décentralisation. Et ce dont on se rend compte, lorsqu'on analyse d'un point de vue économique cet écosystème, que la promesse de décentralisation a mené à une concentration de la valeur autour de tiers de confiance que sont ces plateformes d'échange. Donc là, c'est ce qu'on explique notamment dans le chapitre. Une grosse partie de la valeur est détenue par ces tiers de confiance-là. Une autre cas d'exemple, c'est les crypto-monnaies. Donc on a essayé de faire une analyse un petit peu donc cartographique des crypto-monnaies et lesquelles ont le plus de valeur en termes de market capitalisation. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement les monnaies à valeur à usage seulement monétaire, donc le Bitcoin, le Litecoin, etc., qu'on a situé donc dans les crypto-monnayeurs, qui concentrent aujourd'hui le plus de valeur. Donc toute la question, c'est de savoir, cette valeur économique, est-ce qu'elle va plutôt avoir tendance à se développer autour d'autres cas d'usage ou plutôt se concentrer autour de ces acteurs-là? Mmh. Et on est là sur cette segmentation des acteurs, Gonzague Granval, oui, Pixio. C'est intéressant ce point de vue sur la ruée vers l'or numérique parce qu'on a souvent dit que Bitcoin était de l'or numérique et c'est la mère de toutes les crypto-monnaies. Donc c'est une similitude qui, je trouve, convient tout à fait à Bitcoin. Et puis apparaissent de plus en plus de nouveaux types d'actifs numériques. Chez Pixio, nous, on travaille sur la donnée personnelle et on considère que la donnée personnelle devient un actif numérique. Pour lequel il faut une infrastructure pour échanger ces données, pour les stocker de façon sécurisée et en tant qu'individu, en être le plein propriétaire, comme c'est le cas avec les crypto-monnaies. Et de la même façon, on va utiliser des architectures décentralisées, distribuées, de façon à pouvoir échanger ces nouveaux crypto-actifs, que sont les données personnelles, comme des crypto-actifs que sont les bitcoins et le litecoin et tout autre type de crypto-monnaies, sur des échanges de pair à pair, sans tiers de confiance. D'accord. Et donc, cette histoire de ceux qui veulent dégager de la valeur, c'est ceux qui vont être sur ces plateformes là, c'est... Alors, il y a beaucoup d'acteurs sur, sur les blockchains. Il y a à la fois ceux qui font du conseil, mais plus basiquement, sur la blockchain Bitcoin, par exemple, il y a les mineurs, il y a les opérateurs d'échange, qui sont des sociétés, qui sont deux gros acteurs. Il y a également ensuite beaucoup de services qui se développent autour de ces chaînes. En France, on parle souvent de Ledger, qui crée des composants électroniques pour le stockage des crypto-monnaies. Voilà différents types d'acteurs qui interviennent. Et puis, des acteurs d'infrastructure, comme nous le sommes, sur les données personnelles, pour pouvoir créer ce nouveau réseau d'échange
de données personnelles. Ça veut dire, Arnaud Dartois, qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit, alors on parlait des crypto-monnaies, de cet univers financier, il y a d'ailleurs tout un gros chapitre dans ce livre sur la partie financière, mais tous les secteurs de l'économie aujourd'hui sont impactés. Si on commence à parler des données personnelles, ça y est, ça peut être la santé, ça peut être... Alors on entend souvent dans le droit, des notaires qui racontent ça, dans l'immobilier, même dans la voiture, le catalogue de maintenance des voitures. Ah oui, la blockchain, ça permet en fait, c'est un nouveau tiers de confiance complètement décentralisé qui est technologique en fait. Et c'est ça qui est assez extraordinaire et complètement nouveau. Donc effectivement, vous parlez des notaires. Un des usages de la blockchain, c'est de notariser, authentifier et certifier avec un eurodatage n'importe quelle donnée en fait. Alors nous, on utilise ça dans la finance parce qu'en plus, la blockchain, me sont apparues les crypto-monnaies qui sont en elles-mêmes en fait des actifs financiers relativement décorrélés des autres actifs et avec une volatilité extraordinaire, ce qui fait que ça attire effectivement des gens qui sont en recherche de retour sur investissement. Mais l'image avec le Far West, elle est intéressante parce que effectivement, les shérifs ne sont pas encore là. La ruée vers l'or digital. Oui, la ruée vers l'or, c'est le Far West. C'est un peu cette image-là, c'est-à-dire que les shérifs ne sont pas encore là, mais on sait qu'ils vont arriver. Mmh. Et on voit un certain nombre de régulateurs qui se positionnent et qui ont besoin de se positionner pour encadrer un petit peu tout ça, parce que forcément, ça attire tout... Oui, une autre forme de spéculation, voilà. Longtemps. C'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté un peu sulfureux autour du Bitcoin. Bon, maintenant, ça y est, on arrive un peu à attirer... On est en phase d'institutionnalisation, effectivement. Et c'est ce que vous avez voulu montrer dans ce livre. Et vous allez assez loin, hein, Clément Tecchi. On va citer les autres auteurs, qui sont Martin Della Chiesa et François Yo, donc qui sont chez Accuracy. Consultants chez Accuracy. Avec vous. Il y a un moment, vous dites même carrément, ça va impliquer une restructuration de la vie économique. Oui, complètement. En fait, on a, dans le livre, et plus généralement lorsqu'on essaie d'expliquer ce qu'est la blockchain, on aime bien faire un parallèle avec Internet. Donc Internet, en deux mots, c'est une révolution de la communication. Assez simple. Et en fait, la blockchain, qu'est-ce que c'est? En un mot, c'est une révolution de la transaction. Alors, et pourquoi en fait Internet, ça a été si grand en termes de révolution? Pourquoi ça a tant changé notre vie? Parce que la communication, c'est ce qui est à la base. C'est un des fondements de notre société, nos interactions. Mais de la même manière que les transactions sont à la base et sont un des fondements de la manière dont on interagit. Donc forcément, à partir du moment où on dit qu'une technologie permet de repenser la manière dont on peut faire des transactions, donc, et c'est ce qu'est la blockchain, nécessairement, on est dans une révolution qui impactera la vie économique et sociale dans son ensemble, de la même manière qu'Internet a pu le faire. Et vous êtes d'accord avec ce que dit Arnaud quand il dit les shérifs ne sont pas encore là, et puis donc, cavalerie, elle arrive en retard. Donc il y a la cavalerie qui peut arriver en retard, effectivement, mais ce qui se passe, c'est que même... Effectivement, on peut se dire que les shérifs ne sont pas encore là. Néanmoins, et je tiens à souligner que le gouvernement français est assez en amont de ces réflexions, que ça fait un certain moment qu'à travers des institutions parapubliques de type l'AMF, la CPR, etc., il y a des réflexions qui sont menées sur comment encadrer l'écosystème. Mais attention, et c'est ça qui, je pense, d'intéressant avec le gouvernement actuel, c'est de se dire comment... on peut encadrer l'écosystème sans le tuer dans l'œuf. Mmh. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'ils sont réellement à l'écoute des start-upers, réellement à l'écoute des experts du marché, etc., pour comprendre quelles sont les problématiques et comment encadrer ces problématiques avec un cadre juridique suffisamment flexible et qui permet donc de laisser les start-upers et les investisseurs développer cet écosystème qui est un enjeu stratégique pour la France et pour l'Europe. Oui, parce que Arnaud Dartois, vous avec Napoléon X, enfin vous avez levé pas mal, je sais plus. Oui, alors on a fait ce qu'on appelle une ICO, Initial Coin Offering, une levée de fonds en crypto-monnaie. En début d'année, on a levé un peu plus de 10 millions d'euros. Ce qui nous a permis effectivement... Donc c'est du vrai argent, enfin voilà. Donc quand on dit tout se structure... Voilà. Et nous, effectivement, on parie sur le fait que les shérifs vont arriver. Mm-hmm. On attend ça parce que c'est l'Internet de la valeur. Mm-hmm. Et la valeur, c'est on joue de l'argent. Enfin, on a de l'argent là. Et donc, il y a beaucoup, notamment sur les ICO, beaucoup d'arnaques qui sont apparues. Et c'est vrai que le gouvernement français et l'AMF en particulier a donné une réponse extrêmement intéressante en interrogeant les acteurs en fin d'année avec la consultation qui a lieu en décembre, Unicorn, plus de 80 réponses, c'était extraordinaire. Et là la loi Pacte, effectivement, des amendements qui passent pour encadrer ça avec un visa optionnel très intéressant. Avec un côté, ce que disait Clément Tecchi à l'instant, Arnaud Dartois, c'est on reste un peu, c'est pas trop rigide, quoi. Oui, tout à fait, c'est cette flexibilité-là. Donc c'est ce que lui demandaient finalement les acteurs. Un visa optionnel, mais qui permet aux acteurs d'opposer leur sérieux et le sérieux de leur projet. Gonzague Granval, ça fait un moment que vous suivez évidemment ces technologies, là, notamment là en ce moment avec Pixio. Ça veut dire que toutes les entreprises aujourd'hui, elles doivent vraiment conseiller, les entreprises qui nous entendent, vous leur dites toutes,
allez, il faut que vous alliez voir, peut-être en lisant ce livre au moins, pour essayer de comprendre, mais il faut que vous alliez voir ces technologies parce que, oui, il y a l'univers financier, mais il y a tout un tas d'autres domaines qui peuvent intéresser votre secteur et... Ouais, si y a vous ne le faites pas aujourd'hui, d'autres le feront pour vous. Il y a beaucoup ouais. de choses. On va fêter le mois prochain les 10 ans de Bitcoin. Donc, on est sur une technologie qui a déjà 10 ans. Ce n'est plus une innovation de l'année dernière. Ça a 10 ans. C'est assez établi. Et autour de Bitcoin, se sont construits beaucoup de solutions pour les entreprises ou pour les particuliers. Et pour moi, ce qui sous-tend toute cette révolution liée au blockchain et à Bitcoin en particulier, c'est vraiment la réappropriation par l'individu de ses données, de son argent. C'est le fait qu'avec Bitcoin, on devient propriétaire de son argent. Et c'est la tendance que nous suivons à Apixio, c'est qu'aujourd'hui, l'individu va redevenir propriétaire de ses données personnelles et c'est lui qui va décider ce qu'il en fait sans qu'un tiers le décide à sa place. Donc ça veut dire l'individu ou l'entreprise, si je vous regarde absolument. Un peu, regarde plus, c'est vraiment la réappropriation des actifs qui, jusqu'à présent, étaient confiés à des tiers, désormais peut-être confiés par l'individu ou l'entreprise directement, sans faire appel justement à des tiers de confiance. Mmh. Et ça, c'est très important parce que ça dessine justement la société de demain qui fonctionnera davantage de pair à pair, où on utilisera des réseaux directs comme toutes les blockchains. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'une start-up qui s'appelle Lydia, là, où on se paye directement. Voilà. Ah, mais Lydia est une start-up, un intermédiaire. Mm-hmm. Là, il s'agira, comme si on fait une transaction Bitcoin tous les deux, il n'y a personne entre nous, il y a juste vous et moi. Eh bien, c'est la même chose sur d'autres domaines applicatifs des blockchains. On supprime le tiers de confiance pour communiquer directement, donc sur tout type de données. Et Clément Tequier, alors vous identifiez toujours dans le livre, c'est quatre facilitateurs d'appropriation, il y a les accompagnateurs, les échangeurs, les régulateurs, les coffres-forts, donc régulateurs on comprend bien, coffres-forts c'est ceux qui vont tout stocker. Alors coffres-forts, donc je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'effectivement en fait lorsqu'on analyse le système par exemple du Bitcoin, le Bitcoin, il n'est pas seul en lévitation. Il y a un certain nombre d'acteurs, donc des producteurs que sont les mineurs, c'est-à-dire que des personnes qui sécurisent le réseau en mettant à disposition une puissance de calcul. Mm-hmm. Et donc, face à cette mise à disposition d'une puissance de calcul, ils sont rémunérés en Bitcoin. Et il y a les consommateurs. Donc, nous, ce qu'on a considéré que les mineurs, en fait, étaient des coffres-forts, parce que c'est vraiment eux qui permettent de sécuriser l'écosystème et également Ledger. Ledger, en proposant des clés de cryptographie qui permettent de stocker des crypto-monnaies en dehors des plateformes d'échange, effectivement, permettent de sécuriser l'environnement. Après, il y a ce qu'on a déjà parlé en introduction, il y a les plateformes d'échange, eux, qui permettent vraiment de faire vivre aujourd'hui le réseau, de faire vivre les échanges. Les régulateurs, assez facilement, donc c'est vraiment tout ce qui est l'AMF, etc. Donc voilà, c'est comme ça, c'est cette manière que se dessine un petit peu l'écosystème, avec tous ces acteurs qui n'ont pas directement une technologie liée à la blockchain, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la blockchain, Ledger n'utilise pas la blockchain, les régulateurs n'utilisent pas la blockchain, les mineurs n'utilisent pas directement la blockchain, et pourtant ils développent cet écosystème dans son ensemble. Donc un peu de la même manière que lorsqu'Internet s'est développé, il a fallu des installeurs de réseaux, des fournisseurs d'accès, etc. Donc là, voilà, il y a un foisonnement autour de l'écosystème qui existe aussi, et ce dont on se rend compte également, c'est que ces sociétés qui se développent autour de l'écosystème captent une grande partie de la valeur. Preuve en est avec Ledger qui a réussi à lever près de 70 millions d'euros en equity et qui développe un vrai chiffre d'affaires avec un certain nombre d'argent qui est bien créé. C'est ça, Arnaud Dartois, il faut casser aussi cette idée que l'on a quand on parle de la blockchain, que c'est une superposition de briques technologiques et tout ça. Il y en a évidemment, on l'a bien compris. Mais... Oui. Est-ce que ce dont les gens ne se rendent peut-être pas compte, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de faire les infrastructures de couche basse. C'est-à-dire toutes les couches supérieures, elles sont en train de se développer. Il y a beaucoup d'acteurs comme Gonzague, par exemple, qui travaillent dessus pour rendre ça beaucoup plus facile en termes d'expérience utilisateur. Oui. Aujourd'hui, c'est très compliqué, mais aujourd'hui, c'est comme quand Internet, vous n'aviez pas Google, vous n'aviez pas d'opérateur de mail. Il y avait des gens qui utilisaient Internet à ce moment-là, mais c'était beaucoup plus compliqué. Ils utilisaient des scripts et des choses comme ça. On en est là au niveau de la blockchain. D'accord. Ces acteurs-là sont en train de développer ces solutions qui vont permettre l'accès au plus grand nombre et vraiment l'explosion, je pense, des usages liés à la blockchain. Et alors, qu'est-ce qui va pouvoir aider les entreprises, Gonzague Granval, à aller vers ce... Alors, je crois que dans le livre, vous les appelez, alors, c'est pas les process winners, c'est ça ? C'est exactement. C'est ceux qui vont accompagner les entreprises. Comment... Qui ces gens-là ? Moi, j'ai pas de recette magique. Quel est le profil aujourd'hui, se développe un nombre incroyable d'initiatives d'entreprises autour du sujet des blockchains, des crypto-monnaies et de tout ce qui gravite autour. Arnaud parlait du phénomène des ICO.
qui est un mode de financement que Pixiu aussi a pratiqué et qui permet justement de développer sa société de façon moins conventionnelle qu'on ne le faisait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a une profusion d'initiatives d'entreprises dans le domaine des blockchains et des cryptos qui est incroyable aujourd'hui. Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose. La régulation, elle arrive et elle va faciliter un certain nombre de développements. Cependant, les développements techniques vont tellement plus vite que la régulation qu'il va falloir qu'elle s'adapte perpétuellement à ces développements. Et on est vraiment dans une tendance de sprint au long terme. Et on voit courir tout le monde actuellement autour de ces sujets. C'est assez grisant. Oui, c'est exactement ça. Quand vous disiez, la technologie avance plus vite que les idées qu'on peut avoir du cas d'usage. Hein, c'est... Exactement. Donc, pour revenir au process winner que vous avez évoqué tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est de se dire aussi, on a essayé d'identifier dans cet écosystème quels sont les acteurs finalement qui se structurent autour d'une offre d'accompagnement pour les grands corporates, donc de ce qu'on appelle l'économie traditionnelle, donc ce qui n'est pas l'économie blockchain, mais qui vont essayer de les accompagner dans leur transformation numérique liée à la blockchain. Donc, il y a aussi ce segment-là d'activité que sont les process winners. Et donc, effectivement, pour revenir un petit peu aux ICO. Il y a aussi, ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a une évolution, une innovation technologique qui est à la blockchain, mais également une innovation financière. L'ICO en est vraiment l'exemple le plus frappant. Donc c'est les levées de fonds. Des levées de fonds et qui permettent vraiment une démocratisation de la levée de fonds. C'est-à-dire qu'on fait un appel public à l'épargne. Donc on va dire, voilà, moi j'ai besoin de lever, mettons, 1 million d'euros. Et l'idée vraiment simple de l'ICO, c'est de se dire que c'est plus simple de lever 1 million d'euros en demandant 1 euro à 1 million de personnes. Qu'elle est demander 2 x 500 000 à un fonds de venture capital. Donc voilà, l'idée de base de l'ICO, c'est ça. Et derrière, on peut vraiment développer des projets avec des levées de fonds plus faciles. Par contre, le danger, lorsqu'on va démocratiser l'appel de fonds sous forme de VC, donc rendre possible ça, c'est qu'en fait, il y a un risque inhérent à l'investissement dans des startups, notamment dans des secteurs aussi technologiques. Assez rapidement, l'investisseur particulier peut se retrouver avec un investissement qui tend rapidement vers zéro. Ça peut être une problématique. Et donc, voilà, il faut prendre conscience aux investisseurs particuliers qu'il y a des risques très importants à investir dans ce genre de projet. Mais en revanche, qui dit risque élevé, dit promesse de rendement très élevée. Ouais, donc, voilà. C'est l'histoire du Bitcoin qui est monté. Exactement. Et c'est tout l'intérêt. Il est à 20 centimes. Il a commencé à 20 centimes. Aujourd'hui, on est à peu près à 5600 euros. Donc, on se rend compte qu'il y a des croissances qui peuvent être très importantes. Mais justement, tout le rôle du régulateur aujourd'hui, c'est de ne pas interdire ce forme de mon financement, à mon avis, mais simplement de l'accompagner, de bien mettre des warnings sur les risques potentiels lorsqu'on va investir en equity sur des projets à très haut risque. Voilà. Arnaud Nartois, justement, c'était l'année dernière, je crois que c'est Kodak, que l'on connaît bien, qui avait sorti sa crypto-monnaie Kodak. C'est quoi l'intérêt, là? Alors Kodak, mais ils l'ont sorti finalement parce que ils ont fait l'annonce, le cours de bourse a remonté et je crois qu'ils l'ont jamais sorti. Ouais, parce que l'histoire, me semble-t-il, c'est qu'une société avait racheté la marque Kodak pour l'exploiter sous la forme d'une crypto-monnaie et avait donc bénéficié de l'effet marketing. Ouais, parce qu'au départ, ils disaient c'était pour rémunérer les photographes. Enfin, l'idée de départ, on comprenait à peu près. Mais c'était une société distincte de Kodak qui avait racheté l'usage de la marque pour un domaine particulier. Et donc, il y avait juste profité de cet effet-là pour... Cet effet-là, oui, mais du coup, tout le monde a parlé. Et Arnaud Nartois, c'est ça, il faut faire attention, on le disait à l'instant. Oui, ça s'adresse vraiment à ce qu'on appelle des investisseurs avertis, mais c'est vrai que c'est la première technologie qui, en elle-même, a de la valeur, en fait. Mm-hmm. La blockchain, il y a les crypto-monnaies qui ont pris de la valeur et donc qui ont permis à tout l'écosystème de s'autofinancer. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire les gens qui, les premiers, ont développé le protocole Bitcoin, ils ont eu les moyens, petit à petit, de s'autofinancer et d'autofinancer leur R&D, en fait. Oui. Et ça, c'est incroyable. Ils n'ont pas eu besoin d'aller chercher des investisseurs institutionnels ou des VC, effectivement, ailleurs. Ils ont pu développer comme ça, au fur et à mesure, de l'accroissement de la valeur de Bitcoin, ils ont autofinancé leur... Et ça, c'est, à mon sens, c'est la première fois qu'on voit ça sur une technologie. C'est sûr. Gonzague, tu disais qu'il y a un côté grisant dans ces technologies, mais il y a un côté aussi un peu affolant parce qu'on se dit que ça va tellement vite que les réalités d'aujourd'hui, est-ce que la crypto-monnaie, c'est pas déjà le blockchain 1.0 et qu'il y a la nouvelle génération qui va arriver? Ah, mais c'est sûr, même on parle des ICO. On commence à comprendre les crypto-monnaies que déjà, c'est ça. Un mois, c'est presque un siècle en crypto. C'est incroyable. Tous les jours, il y a des choses nouvelles qui arrivent, des usages, tout se transforme. Et puis c'est vrai que c'est très lié au cours
eux-mêmes des cryptos, qui eux sont très très volatiles, et donc ils s'adressent là encore effectivement à des gens qui sont qui doivent avoir une certaine connaissance financière et qui sont avertis. Oui. Clément Tequi, là, sur justement ce côté blockchain nouvelle génération, là, il faut s'attendre à quoi? C'est exactement ce que vous dites, c'est que il y a une évolution technologique qui est constante en fait. C'est de la technologie sur la technologie, et donc ce qui se passe, donc ce qu'il y a d'intéressant encore une fois à souligner avec l'écosystème blockchain, c'est que en fait, souvent l'innovation technologique est faite de manière anonyme. On peut avoir sur un forum quelqu'un qui dit voilà, regardez, j'ai fait ce code, qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est donc voilà, il y a quelque chose d'un petit peu de spontané, une sorte d'innovation technologique au long terme comme ça, avec des développeurs qui veulent dans la logique de décentralisation, d'horizontalisation du monde, préfère que l'innovation soit open source et portée par tous plutôt que par un acteur centralisé. Donc ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre lorsqu'on se place dans l'idéologie blockchain, c'est cette décentralisation et ce fait qu'il y a une volonté de se sortir d'un acteur qui pourrait prendre le contrôle sur l'innovation technologique. Et deuxième point sur l'innovation, et je pense que la blockchain ne doit pas être pensée, et ça c'est important, seule dans son monde technologique, mais ce qu'on peut voir arriver, c'est une sorte de convergence technologique entre d'une part la blockchain, mais également des sujets auxquels on entend beaucoup parler aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le big data, même les données personnelles. Tout à l'heure, vous évoquiez la voiture autonome. Un des enjeux de la voiture autonome, c'est quelle protection des données personnelles, etc. Comment faire en sorte que les transactions soient efficaces entre ma voiture autonome et mon portefeuille, etc. Comment redynamiser ça? Et là, en fait, la blockchain, parmi toutes ces technologies, peut être une solution pour le développement général. Donc voilà. Donc il y a des surcouches technologiques qui vont arriver, et ça va évidemment complexifier la chose. Enfin, Napoléon X, à mon sens, est un bon exemple, puisque bon, il y a la technologie blockchain, mais derrière, il y a aussi des algorithmes d'apprentissage, d'intelligence artificielle qui permettent de prendre des positions de trading plus efficaces. Et alors, Gozagrand, pourquoi ça n'avance pas plus vite globalement? Est-ce que c'est parce que voilà, on attend des acteurs comme Pixio, comme dit Arnaud Dartot tout à l'heure, pour vulgariser un peu l'accès à ces crypto-monnaies, à cette blockchain? Alors moi, je pense que ça avance très très vite. Ouais. Que je pense que le monde est en train de changer avec l'avènement de ces technologies, et que on passe pas d'une ère à une nouvelle ère en 2 ans. Il n'y a pas d'effet marketing. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de technologies. Il y a beaucoup c'est de développeurs. Si on fait une comparaison avec Internet, ouais, il faudra regarder la première époque, les années 60. Et puis regardez aujourd'hui, si on parle des crypto-monnaies, ça devient un sujet dans tous les établissements financiers dans le monde entier. Ce qu'on décriait il y a encore quelques années avec de vilains mots devient aujourd'hui un sujet de préoccupation de tous les établissements financiers du monde entier. Ils cherchent tous à obtenir des agréments pour constituer des produits autour de ces crypto-monnaies. Et à côté de ça, beaucoup de technologies émergent. Je reparle de nous, mais sur la donnée personnelle, c'est aussi quelque chose dont on parle en ce moment. La réglementation est là, il y a un momentum où on réalise que la donnée personnelle m'appartient, pourrait être un cryptoactif, et on travaille à ça, donc ça prend un peu de temps. Mais ce ne sont pas des coûts marketing, c'est des changements profonds d'organisation, des transactions dans la société. Et je pense que ça, on s'en rend pas très bien compte en Europe, où on a finalement des systèmes qui marchent bien, et virement c'est pas. On peut virer de l'argent relativement facilement, mais dans des pays ou des continents comme l'Afrique, l'Asie, ces usages-là sont adoptés bien plus vite, parce que aussi ils répondent, ils donnent des solutions à un manque qui existe réellement. Et on s'en rend pas compte, mais ça bat beaucoup plus vite, mais ça se passe beaucoup hors d'Europe aussi. Est-ce qu'il faut voir un pied dans l'un, un pied dans l'autre avec Napoléon X? Vous pouvez, hein, je crois. Oui, tout à fait. Sur le marché, on peut investir à la fois dans du traditionnel, du crypto. Est-ce que ça rassure aussi un peu? Alors oui, puisque sur nous, on vise les institutionnels. On attend. Je parlais du shérif tout à l'heure. Nous, on pense que les shérifs arrivent, et c'est le cas sur la blockchain, parce qu'il y a de la valeur, et cette valeur-là, les gens ont besoin de la sécuriser quand même, et notamment les institutionnels qui s'intéressent à ce sujet-là et qui veulent investir. Donc là, sur l'angle purement investissement, dans ces actifs qui sont décorrélés. Donc nous, on était des spécialistes de la finance quantitative, donc algorithmique, et c'est vrai que les crypto-monnaies, qui sont des monnaies programmables en fait, sont particulièrement adaptées aux solutions d'investissement qu'on avait développées. Et donc on a développé des solutions purement crypto pour bénéficier et faire bénéficier nos investisseurs, mais là encore, qui sont des investisseurs avertis et institutionnels, de solutions en fait qui donnent des rendements faramineux, mais parce qu'on a un actif qui est très volatile. Clément Tequi, je voulais réagir sur le fait ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'implémentation dans les pays, dans les continents comme l'Afrique. Effectivement, lorsqu'on analyse l'Afrique, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a un taux de bancarisation qui est plus faible que le taux de pénétration des smartphones. Donc, il est plus simple lorsqu'on est sur le continent africain, statistiquement parlant, d'avoir accès à Internet, un smartphone, etc., qu'à un compte bancaire. Donc forcément, lorsqu'on dit que le Bitcoin
Ça permet d'avoir une bancarisation de ces populations-là pour un coût en capital fixe pour ces pays-là quasiment nul, puisqu'il suffit de créer une application avec une expérience utilisatrice de qualité, et on pourra, d'Afrique, transférer de l'argent, avoir un compte en Bitcoin partout dans le monde pour des fees très compétitives par rapport à ce que proposent les grands comptes bancaires aujourd'hui. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est pour le développement de ces pays-là. Gonzague Granval, des nouveaux types d'acteurs aussi qu'on va voir arriver, parce que c'est un monde qui bouge tout le temps, mais j'avais vraiment l'impression qu'on parlait du sprint tout à l'heure, on va voir... Oui, parce que c'est comme Napoléon X qui arrive, il faut valoriser tous ces nouveaux actifs cryptographiques. Les ICO et ce phénomène-là, c'est quand même la tokenisation, c'est un mot très à la mode aujourd'hui. On tokenise, c'est-à-dire qu'on rend crypto-asset beaucoup de produits, que ce soit de l'immobilier, de la finance, toutes sortes de choses, et nous, des données personnelles. Et donc, à partir du moment où on tokenise toutes ces données, il faut des gens pour savoir les conserver, pour avoir des applications avec des expériences utilisateurs nouvelles, et puis impliquer chaque individu sur ces nouveaux actifs, encore une fois, où il redevient propriétaire de ce qui lui appartient, que ce soit de l'argent, des données et bien d'autres choses. Arnaud Dertois, juste un dernier mot, vous disiez, je reprends cette expression, le shérif arrive, mais voilà, on aura quand un cadre pour vous la loi PACTE prévoit un amendement qui encadre notamment les ICO et qui aide aussi les acteurs du secteur à obtenir des comptes bancaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est même difficile. Donc ça, je pense que c'est très important. Elle sera votée d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Mais l'amendement est passé là au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, ça bouge aussi très vite dans le reste du monde, en fait. La SEC, donc le gendarme américain, se prononce régulièrement. Tout va très vite. Et je pense que, comme le disait tout à l'heure Clément, la France en particulier joue vraiment son rôle. Ils sont vraiment précurseurs quand on parle de l'AMF, le gouvernement. Ils ont envie, ils ont compris, je pense, les enjeux qu'il y a derrière la blockchain. Eh bien, merci à tous les trois. Clément Tecky, consultant au cabinet Accuracy, Gonzague Granval, merci cofondateur de Pixio, et Arnaud Dertois, cofondateur, directeur général de Napoléon X. Voilà, autour de ce livre, Blockchain, Garde de Nelson Weber, on peut l'avoir. On peut le trouver sur le site Accuracy, sur Amazon et dans la librairie Erol à Saint-Germain. Voilà, je crois qu'il faut d'ailleurs citer en général. Le prix, c'est 30 € pour ceux qui veulent l'acquérir, cette blockchain. Donc, blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. Rendez-vous mardi 2 octobre. N'oubliez pas notre grand forum. On parlera blockchain, bien entendu, parce qu'il y aura des banquiers aussi qui viendront parler de tout ça. Ils viendront parler des patrons. On aura Jean-Paul Agon de L'Oréal. On aura Frédéric Oudéa de la Société Générale pour nous parler des nouveautés, de la transformation numérique chez eux. Et évidemment, la blockchain en fait partie. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, excellente semaine numérique sur BFM Business.